Et bien bonjour à tous, c'est Yoshi. Aujourd'hui on se retrouve sur le serveur Epicube qui vient d'ouvrir il y a pas très longtemps, un serveur francophone français qui commence à faire un peu parler de lui car il était présenté par Frigiel et par le site Minecraft.fr. Donc c'est un serveur qui propose pour l'instant 3 mini-jeux, donc je vais vous en présenter l'un d'entre eux. Il s'appelle Ship War, qu'on voit là-bas, et ce qui est génial sur ce mini-jeu, vous l'aurez sûrement compris, on peut balancer des moutons et ça c'est vraiment super cool, super innovant et super fun bien sûr. Alors écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse quelques parties. Les règles du jeu sont assez simples. Il y a deux équipes dans des maps construites, voilà quoi, qui sont dans les airs, toutes dans les airs, pour que quand on tombe, on s'écrase et on meurt, parce que c'est plus marrant comme ça, faut essayer de pas tomber en même temps. Des équipes de deux joueurs, et toutes les 40 secondes, on obtient un mouton. Et en fonction de... Merde, je me suis planté de trucs. Quel con. Je crois de mon opposé, qu'est-ce que je shootais, j'en sais rien. Et en fonction de la couleur du mouton, il aura différentes spécificités, si on peut dire ça comme ça. Par exemple, le mouton blanc, ça sera un mouton d'abordage, il pourra nous téléporter où on veut. Le mouton rouge explosera, le mouton bleu foutra de la neige partout, fera complètement chier. Le mouton rose redonnera de la vie, le mouton noir mettra la map dans le noir. Le mouton gris explosera absolument tout, le mouton orange explosera et mettra un anneau de feu autour de lui. Enfin voilà, vous allez voir, c'est super sympa, super fun. Bien sûr, le serveur sera dans la description. Je vous mettrai le site du serveur. Un serveur bien sûr qui n'accepte pas les craqués, donc les versions premium. Et ce que je trouve assez normal, ce que je trouve du coup génial, c'est que c'est un serveur qui est assez mature, qui est très très bien géré par les plugins. Pas besoin de faire une seule commande, tout, vous voyez, changer de hub, la boutique, monture, bon ça. On a les règles pour cacher les joueurs, pour le verre, je trouve ça assez marrant. Voyage rapide, pas la peine de faire slash spawn, on peut direct se téléporter au spawn grâce à un lit qu'on va dans n'importe quel mini-jeu. Donc écoutez, voilà pour la petite présentation du serveur. Maintenant on se retrouve sur Ship War et on va bien s'amuser, allez c'est parti. Voilà, donc cette fois-ci on se retrouve dans le dirigeable, donc le petit lobby du dirigeable qui est sympa. Et vous voyez les deux énormes zeppelins qui sont là, voilà, on était porté dans un. Vous voyez en face, bon qui sont vides pourtant, c'est... Ben non mais je comprends pas, il devrait tomber du coup, il y a l'air qui passe à travers, mais voilà, on en a rien à foutre, c'est super cool. Bon par contre ici, c'est un peu horrible, voilà, tout le monde se barre déjà. Oh lui si j'arrive à le faire tomber. Rien, je me concentre un peu, en plus j'ai un mouton explosif, ça c'est cool. Putain, ça c'est les moutons, c'est chiant, on essaie de les mettre bien et puis ils tapent dans les parois et tombent tout bêtement. Putain, ça c'est un peu énervant ça. Par contre il y a personne, ouais il y en a un qui a pété. Donc là regardez, je vais foutre un mouton de foudre. Oh merde, il a mis un mouton de nuit. Ah, et là il y a un mouton glacé. Et voilà, et donc vous entendez les éclairs, bah c'est mon mouton en fait, qui fait effet. Et qui fout des éclairs partout. Partout par terre. Allez, on va l'aider. 4 points de vie. Grouille-toi, grouille-toi, grouille-toi. Et là vous voyez quand on les tue, on obtient un petit bloc. Et on obtient le mouton explosif. Maintenant, j'aimerais bien l'avoir lui. Il arrive à m'avoir, je lui dis bravo. Non, par contre ça bug, c'est le bordel, ça pète de partout. Il va réussir à m'avoir. Eh, franchement il a géré Sim. Hein. Voilà. Eh, bah, franchement bravo. Franchement bravo, bravo. Donc là vous voyez, on peut se balader, il est complètement détruit. On va se retélep. Et à tout de suite sur une nouvelle map. Voilà, donc on se rejoint sur une map, donc la map îlot, enfin c'est îlot. C'est un îlot quoi, hop, ça c'est rigolo.
gameplay plus vif. Ouais. Parce que j'ai bien suivi le chemin parce que tout le monde saute par là, ça j'avais déjà vu. J'avais jamais fait attention, c'est assez rigolo comme petit détail. Merde, on est bloqué, on peut pas remonter. Vous voyez qu'il y a un petit parcours de jump. Ah c'est con. Ah, je me suis fait avoir là. Je peux prendre le cours d'eau si je veux, mais... À part ça, merde, à part ça. De toute façon, ça... Ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment très très peu de temps d'attente. Vous voyez, démarrage du jeu en 10 secondes. Ça, franchement, c'est le truc... Vous voyez, à côté, équipe bleue, équipe rouge, il y a deux équipes. Je sais pas laquelle j'ai choisi. Tiens, rouge, si j'avais pas de jeu choisi. Parce que j'aime le rouge. Donc, vous voyez qu'il y a des kits. Les kits qui sont à acheter sur le site. Ouais, acheter sur le hub. Des kits pour améliorer ses flèches, avoir plus de moutons et tout bordel. Ah là, vous voyez, j'ai eu un mouton glacé. Donc, le mouton glacé... Qu'est-ce qu'il va faire? Quand on va le balancer, il va mettre de la neige partout et ça fait chier tout le monde. Et c'est ça qui est marrant. Je sais pas si on aura l'occasion de le voir d'ici. Mais vous voyez, il y a de la neige qui est là-bas là. On va essayer de l'avoir. Tiens bah. Et aussi ils ont foutu un mout-mout qui fait de la neige. Ouais, tirer sur les blocs magiques. Il y en a un qui est apparu, c'est possible, mais il a déjà été tiré. C'est très très rapide. Oh la brille. Là vous voyez il y a un de nos coéquipiers qui a balancé un mouton jaune, ce qui fait que ça fout des éclairs partout. Putain. Je l'ai vu le mouton noir. Ah tiens, mouton noir. Celui-là il va nous tenir. Faut pas le balancer dans le côté du type. Par contre c'est chiant, on peut plus bouger. Enfin on peut bouger mais. On peut bouger mais ça nous ralentit, c'est assez chiant la neige. Le mouton noir il sert à se téléporter. Mouton d'abordage. C'est marrant ça, tiens, j'avais jamais vu ça. Le mouton d'abordage. Non mais. Quoi? Ah, l'arnaque. Bon ouais, je suis sur mon mouton, je suis mort. Génial. Là je me suis fait avoir là. Là ce qui est assez chiant comme vous avez vu avec les moutons. Oula. C'est qu'en fait les moutons se cognent sur les parois. Et tombent. Même si on les a bien lancés, hein, c'est une fois sur deux, le mouton, on a beau être là et essayer de le lancer là, il va se mettre, il va se coller là et tomber. Donc ça c'est chiant. Voilà, bon bah ça, la bataille continue. C'est égalité. Moi j'étais dans l'équipe rouge, ouais. Dans l'équipe rouge. Et comme vous voyez, la bataille fait rage. Tiens, lui, vous voyez, c'est obligé, il a eu un mouton d'abordage. Et grâce à son mouton d'abordage, il va pouvoir aller les attaquer. Voilà, et notre équipe continue à balancer des moutons. Ouais, là, ils sont même limites un peu condamnés, là. C'est vraiment bien. Et là, ils ont foutu de la neige partout. Ça, c'est marrant, ça aussi. Un vrai bordel. Ah, oui, vous voyez. Ça, c'est chiant quand on est fantôme, c'est on peut pas passer à travers les joueurs pour passer à un endroit. Sinon, ils nous disent qu'on les dérange. Parce qu'en fait, on les voit en fantôme. Les spectateurs. Vous voyez, c'est ce bloc là, voilà, il l'a tiré. C'est nous qui l'avons activé, donc plus de moutons. Et pendant un certain temps, pendant que ça soit toutes les 40 secondes, ça va être toutes les 30 secondes, je pense. Toutes les 20 secondes. Donc voilà, c'est assez pratique. Allez, on se fait une deuxième map. C'est parti. Bon, donc nous revoilà dans la même map. Ah, on a déjà été télé, ça va assez vite. Oula, bug. De chunk de ma part, je pense. Ils doivent être en hauteur dans la tour. Voilà, c'était obligé. Et donc, je suis bleu. Hop. Avec, pour commencer, un mouton qui fait de la neige. Ok, bon, il a rebondi, mais après tout, c'est pas plus mal. J'espère que ça les gênera. Hop. Hop, pas touché. Je sais pas qui s'est pris une flèche. Non, non. C'est reparti. Voilà, donc on se retrouve sur un Mac Building cette fois-ci. Donc nous sommes à bord d'un avion à plus maintenant. C'était le petit lobby pour attendre avant le début de la partie. Nous sommes dans un immeuble. Et en dessous en fait il y a la route. Par contre c'est pas le vide pour une fois. Ça doit être la seule même d'ailleurs. Mouton chercheur. Je cherche bien. Bien le bordel, on est dans du bureau apparemment.
avec des portes qui mènent sur le vide. Oh mon gars. Vous voyez, il fait un tour entier autour de soi. C'est le bordel, il y a tout qui pète, tout qui traîne. La foudre dans le bâtiment. Avec tout de la neige, c'est vraiment un bordel. Merde, j'aurais dû péter. Hop, on essaie de m'avoir, on n'a pas vu. On descend en dessous. Ouais, c'est en meilleur état. Quoique. Le mouton soigneur, c'est bien. C'est un mouton explosif, ça c'est pratique. Et vous voyez, il a un bon vu, mouton incendiaire. Fire! Oh putain, je l'ai défoncé. Il arrive au moment où il fallait pas. Il y a plus personne. S'il en reste un. On est deux, il en reste un. Aucune idée de l'endroit où il peut être. Et vu que j'ai un mouton explosif. D'où il est, de l'endroit où il est. Peut-être qu'il est dans notre base. Ah. Ok, il est là. Ouais, je me suis télép avec mon mouton transporteur. Mouton explosif. Et voilà, il s'est fait exploser. On a gagné feu d'artifice. Ouais. 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 Avec mon casque, j'ai une de ses têtes. On dirait un vieux abruti. Ouais. Ah, quel cliché. Voilà. On s'en fait une. Allez, c'est reparti. Excusez-moi, c'est reparti. Voilà, j'avais mon micro un peu loin. Parce que entre ce que je filmais, je regardais un peu le résultat. Du coup, je regardais mon micro, mais on est parti, on s'en fiche, le micro est bien mis. Tiens! Un mouton en fragmentation. Oh, alors cela, il pète tellement tout. Regardez-moi ça. Explosion! Il fait voler le terrain, ça me fait trop rire. Campeur. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. C'est un temps pourri là, faut sortir les parapluies. Ah, c'est... Parapluie dans Minecraft, ça c'est marrant. Mais non, pourquoi il l'a balancé, il est con. Ah, pas lui. Ouf. Heureusement que je l'ai carté. Oh, c'est chiant ça. Donc vous avez vu, il a vu le... Vous voyez, l'équipe rouge a activé le poison 4 secondes. Pendant 4 secondes, grâce aux blocs magiques qu'ils ont tirés, nous sommes empoisonnés. Là, je suis à l'intérieur de Galoké. Qui vient de se faire exploser. Après tout, c'est bien. J'arrive à faire péter mon mouton. Putain, ça c'est chiant. La nausée. Génial, j'ai envie de dégueuler. Eh non. L'explosion nucléaire. Bon. Allez. On y retourne. Allez, on retourne sur la map Zeppelin. L'équipe bleue. Et let's go. Map Zeppelin qui est assez dur à se cacher, donc on se fait tout de suite défoncer. Un peu chiant. Mais vous voyez que là, regardez sur le côté. Vous voyez sur le côté là, les petits trucs. Hop, le mouton explosif. Et bah on peut aussi y aller. Là je te balance un mouton mon gars, pas tête. Non, le tue pas. Il a tué, il a pété la gueule.
Ah, oh, j'ai cru que j'aurais pu sortir de la map, dommage, j'ai arrêté. Oh. Là, j'ai vraiment allé au sous-sol et j'ai jamais essayé d'y aller. Non, c'est l'autre côté, merde. Ouais, c'est bien là. Il est aussi là. D'aller sur le petit îlot là. En fait, j'ai peur de me faire tirer dessus. Donc, d'un côté, ça peut être à tenter, mais. Tiens, toi pour tout ça. Mouton explosion. Pourquoi j'appelle ça mouton explosion? J'ai un moment de compte qui avait écrit mouton explosif. Moi, je disais mouton explosion. Voilà. Yoshi, champion du monde. Putain, mais. Ah merde, ils ont eu avant moi. Je voulais l'avoir. Merde, la fausse planquée. Super chiant. Mais il se planque pas, lui, il va se faire tirer dessus. Ouais, il me fâche dans le cul quand même. Ok. Donc lui aussi. Ah oui, c'est un mouton à tête chercheuse en fait. Je vous explique en même temps parce que je découvre un petit peu, ça fait pas longtemps que j'y joue. Mouton ténébreux, ça va les faire chier ça. Là il se peut-être se faire avoir. Par contre je crois qu'il y a un mouton derrière moi. C'est bon. Aïe. Toi toi toi. Toi toi mon tout mon toi. Désolé, j'ai été obligé. Je me suis senti forcé. Ok. Bon, vu que c'est un peu plus calme, j'irais bien essayer d'aller sur le truc là. Si tout n'est pas explosé. Mais tout est explosé. Merde. Ouh. Oh le con. Oh le con. Désolé mon gars, mais là ça a pété pour toi. Dark Yoshi a été tué par Tomon. J'en ai marre. Allez, on y retourne. Allez, on y retourne. Nos appels nous attendent. Oh cool, je suis là, je vais pouvoir aller directement là. Parce qu'en fait juste avant quand j'étais fantôme et que j'étais mort, je me dis tiens j'aimerais bien aller là pour voir. Et là ça tombe bien parce que regardez, il y a un petit passage, un petit chemin qui permet d'y aller. Pff, il suffisait de bien sauter. Et on se retrouve à l'intérieur d'un petit zeppelin. Lui aussi a décidé de s'y mettre. C'est pas fou. Vous voyez là je vais plutôt bien lancer mon mouton, risque de faire pas mal de dégâts. J'arrive pas à l'avoir. On va peut-être se mettre d'un peu plus haut. Putain, mais ici je suis posé n'empêche. Je suis sûr de pas me faire emmerder. Putain, il est même plus sur mon choc tellement il est loin. Mon chunk. Putain. Il est pas dans son truc lui. Ah je t'ai eu. Et du coup c'est pratique parce qu'il sait pas où je suis. Ah si lui il m'a vu. Par contre s'il lance un mouton là-dedans je suis un peu mal parce que c'est assez petit. Tiens, gain d'argent. J'ai jamais remarqué ça. C'est dur à avoir. Oh, il y en a un qui arrive sur la droite. Ah mais putain il doit pas être bien lancé là. Il est là. Fourbe. Tiens, un mouton à tête chercheuse. Putain, il est tombé. On est mort. Mouton incendié. Il arrive à foutre là-bas. On saute trop nul. Merde. Ah c'est bien, il arrive ici en foutre. Ah cool, mon ton qui se téléporte. Je foutrais bien un petit mouton ténébreux. Hein. Non, je le foutrai quand j'arriverai. Eh, si je réussis mon coup, je vous dis pas, je fais le jackpot. Parfait. À l'abordage, j'ai envie de vous dire. Oh, oh
Putain. Comment dire? Je vais arrêter très mal. Et voilà, je l'ai fait tomber. Ça franchement, sans me vanter, c'est grâce à moi. J'ai tout explosé. Ah, je suis assez content de moi. J'ai tout été. Mouton à fragmentation dans un petit appli, ça fait pas. Et on a gagné, ouais. Ah, je suis content, j'ai fait une bonne partie. Magnifique. Bravo les gars. On peut voler comme les appelines. Oh putain, c'est génial. Oui, c'est on est petite île aussi là où on peut aller. Allez, on s'en refait une. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc un peu une présentation de serveur aussi en même temps. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, je vous mettrai le site du serveur dans la description. N'hésitez pas à y jouer. Abonnez-vous si vous avez aimé. Aimez si vous êtes abonné. Ah, petite blague. Non, aimez tout court en fait. Si vous avez aimé, bien sûr, je ne vous force pas. Alors écoutez, à la prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Bientôt les vapeurs arrivent. Allez, salut tout le monde.